Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. La génomique, mon très cher ami, la génomique. Docteur Bermudez. Mais ne vous inquiétez pas, si docteur, je peux vous donner... Oui. Il faut qu'on parle. S'il vous plaît, Alexandre, vous voyez bien que je suis occupé, ce n'est pas le moment. Je vais tout vous dire sur mon projet. Oh, ah oh. Excusez-moi, je vous ai pas fait mal? Non. Non, tout va bien. Veuillez m'excuser, j'étais distrait. Distrait et furieux? Oui, pour une question de travail. Quelquefois, les choses ne se déroulent pas comme on avait prévu. Mais ce que vous dites est vrai pour la vie en général, pas uniquement pour le travail. Vous avez entièrement raison. Alexandre Cardenas, ravi de vous connaître. Bonjour. Bonjour. Victoria Gallegos. Médecin, vous aussi? Non. Mais comme vous le voyez, les thèmes abordés ici m'intéressent beaucoup. Je comprends. Tu retomberas sûrement bientôt amoureuse. Non. Non, pour l'instant, je ne veux plus rien savoir de l'amour. Je ne veux plus avoir de fiancé. Je n'ai pas envie de souffrir encore une fois. C'est normal. Ta rupture avec Alexandre est trop récente, mais un de ces jours, tu trouveras l'amour. Pour que je puisse refaire confiance à quelqu'un, il faudra vraiment qu'il me soutienne envers et contre tout. Qu'il soit attentionné, tendre et doux. Un homme qui soit réellement hors du commun. Je vous apporte le projet de campagne publicitaire. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, tenez, voici ce que vous m'avez demandé. Voyons voir. On va tout de suite l'examiner. Et ça tombe très bien parce que c'est ce qu'il y a de plus urgent. J'aime énormément le concept qui est proposé ici. Ça me plaît que tout ne soit pas basé exclusivement sur le paraître, mais qu'on fasse ressortir les qualités de la femme. Je suis très content que ça vous plaise. Et je profite de vous voyez ici pour vous demander la permission d'utiliser une partie de la campagne pour mes cours. Oui, on l'utiliserait, la fille avec qui je fais équipe et moi, pour notre UV de publicité. Du moment que vous le faites avec intelligence, je n'y vois aucun inconvénient. Merci, merci infiniment. Francisco, tu peux me laisser avec Monsieur Trevino, s'il te plaît, je dois lui parler. Oui, bien sûr, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis enchanté que le concept vous plaise parce qu'on a travaillé dessus jusqu'à très tard hier soir. Je suis content qu'il nous l'ait apporté juste à temps et qu'il ait bien compris tout ce que je lui ai dit. Merci. Sophia! Sophia, il faut qu'on parle. Je suis en plein travail. S'il te plaît. Très bien. J'ai l'impression que t'as mal pris ce que je t'ai dit sur Ruby. C'est vrai, je n'aurais pas dû, même si elle a fait souffrir mon frère. Si elle te plaît, ça te regarde, je n'ai pas à m'en mêler. Alors tu t'es fâchée pas parce que t'aimes pas Ruby, mais parce que je t'ai dit qu'elle me plaisait. Attends, ça revient exactement au même. C'est pas pareil, non? Puisque tu t'es fâchée parce que Ruby me plaît, ça veut dire que ce que tu ressens pour moi, c'est plus que de l'amitié. Où tu veux en venir? J'espère vraiment que je te plais, parce que toi, tu me fais craquer. Moi? Et Ruby? Ruby est super belle, c'est vrai, mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. C'est mon ami, c'est tout. Si quelqu'un m'intéresse, ce n'est pas Ruby. C'est toi. Louis, tu me plais beaucoup aussi, et je serais ravie qu'on apprenne à mieux se connaître. Et je suis sûr que ton sourire va être ma perdition.
Mon père arrive demain et j'aimerais qu'il fasse ta connaissance. D'accord, et je pourrais te présenter mes parents? Ils doivent arriver dans la soirée. Écoute, ce soir je dois dîner avec Gascon, l'assistant de monsieur Pietrasanta. Mais demain, tu me présentes ta famille et je te présente mon père. D'accord. Monsieur Howard. Bonjour Hector. Comment vas-tu? Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Hector, tu penseras à écrire une carte à Maribel pour que je la mette dans les cadeaux? Hein? Oui, je te la donne tout de suite. Est-ce que Gennaro va venir à la réunion? Non, il a dû aller à Cancun. Oh, c'était pas demain? Non, il est parti en fin de matinée, il doit même être arrivé. Pourquoi, il a oublié quelque chose? Non, non, c'est plutôt que j'ai vu son billet d'avion et... Oh, aucune importance. C'est une technologie de pointe. C'est la plus avancée du monde. On peut parfaitement voir la stabilité qui est là et la flexibilité de l'articulation avant et après l'opération. Expliquer de la sorte avec tous les détails que vous m'avez donnés, je n'ai plus aucun doute. C'est la prothèse que je veux et qu'il me faut. J'en ai posé une comme ça à New York et je suis sûr qu'elle vous conviendra très bien. Ah, excusez-moi, madame, je dois parler au docteur Bermudez. Excusez-moi. On en reparlera. Docteur, pourquoi vous n'avez pas parlé de l'hôpital de New York comme nous en étions convenus? Ce n'est pas grave. Ce sera écrit dans les publications. C'est qu'à vous entendre, on pourrait croire que vous êtes l'auteur des recherches. On ne peut pas se prévaloir de recherches qui ne sont pas les nôtres, docteur. C'est pas si grave que ça. Et d'autant plus que dans le pire des cas, c'est ma responsabilité. Pas exactement, non. Parce qu'ils m'ont donné les informations à moi, et je leur ai promis en contrepartie qu'on leur attribuerait bien le mérite. Je suis désolé, mais ce n'est pas le moment. Tâchez quand même d'éclaircir les choses avant les prochaines conférences. Parce que si vous ne le faites pas, je m'en chargerai. Hilda, vous savez si M. Duarte est encore joignable et s'il est chez lui? Pourquoi? Vous avez besoin de le joindre? Oui, pour avoir des précisions. Je vais lui demander le nom et l'adresse complète de certains des invités au mariage d'Hector et je devrais avoir le temps de le faire parce que d'après ce que j'ai vu sur son billet d'avion, il ne s'en va en voyage que demain, non? Et si vous voulez, donnez-moi les noms et je m'en chargerai. Ah non, Hilda, je ne veux pas vous déranger. Il vaut mieux que j'appelle Madame Duarte pour savoir où est son mari. Non, non, vous ne le trouverez pas chez lui. D'après ce qu'il m'a dit, il y a eu un problème et il a été obligé de partir pour Cancun aujourd'hui même. Hein? Bon. Alors ça attendra son retour. Merci. Sam. Quelle jolie attention. Et j'ai donné l'ordre aux domestiques de ne pas nous déranger. Parce que je veux que personne... Personne ne vienne gâcher cet après-midi. Merci beaucoup pour tout ça. Je t'aime. Tu as vu ce que tu me fais faire, Lorena. Je n'ai jamais fait ce genre de truc ridicule pour aucune fille. Je savais bien que toi et moi, on allait vivre quelque chose de très spécial. Oui, je le savais. Vous prenez à la fin. De quel droit vous me dites ce que je dois faire? Je sais comment manœuvrer, alors oubliez ça, ce sera mieux pour vous. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas vous laisser faire ce genre de choses. À l'hôpital de New York, ils m'ont assez fait confiance pour partager ces informations avec moi. Je ne permettrai pas que vous vous attribuiez tout le mérite et que vous tiriez la couverture à vous. Ne soyez pas impertinent. Réfléchissez quelques secondes. Ça nous sera très utile si on veut récolter des fonds afin que vous continuiez vos recherches. C'est évident que ça m'intéresse beaucoup de continuer mes recherches, mais pas à n'importe quel prix. Je me sentirais trop mal avec des dons obtenus grâce à des mensonges. Pour moi, ce serait du vol. Je n'ai ni du vol, ni des mensonges. Les faits que j'ai présentés dans ma conférence sont véridiques, non? Mon unique erreur a été d'oublier le mérite de New York. Alors réfléchissez-y. Est-ce que ça vaut la peine que rien que pour ça, vous hypothéquiez votre avenir professionnel? Vous pouvez envoyer ces fax à New York, s'il vous plaît? Tout de suite, monsieur.
Oh, Ruby, vous devez savoir où je pourrais acheter quelque chose de joli pour ma femme. Si vous voulez, je vous emmènerai dans les meilleurs endroits. Oh non, 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 je ne voudrais pas vous déranger. Non, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et comme ça, on pourra parler un peu du projet du centre commercial, parce que j'aimerais qu'Hector puisse se reposer sur moi. Howard, je te laisse l'ordinateur. Tu peux aller sur Internet. Ah, très bien, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Occupe-toi d'Howard. Je file à mon rendez-vous avec Maribel. Bien sûr. Hector? Oui? Ne pars pas sans ça. Mon ami ne te l'aurait jamais pardonné. Merci. C'était super, non? Je ne pensais pas que tu me fais autant d'effet que ça. J'aurais préféré que ça se passe. J'en sais rien. J'aurais voulu qu'on prenne notre temps. Que les choses se passent plus doucement. Tu étais tellement nerveuse. Toi, tu étais un peu brusque. Attends, c'est ce que veulent toutes les femmes, des hommes qui les dominent. Non, pas moi. T'oses pas encore te l'avouer. Quoi qu'il en soit, tu devrais être super contente de me plaire autant. Je crois qu'on devrait apprendre à se connaître. Oui, mais ne t'imagine pas que je te referai à chaque fois le coup des bougies, du champagne et des fleurs pour te mettre en condition. Faut pas exagérer non plus. Fais comme il me tarde de sortir de cette église à ton bras en étant ta femme. Et toi, mon amour? Pardon? Hector, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es très distrait. Excuse-moi, ma chérie, j'étais dans mes pensées. Je pensais à notre mariage qui est un fait établi. Un fait qui symbolisera notre amour de former un couple. À partir de ce jour-là, on ne se séparera plus jamais. C'est évident. La décision de me marier avec toi, c'est la décision la plus importante de toute ma vie. C'est l'heure du médicament de ma mère. Je vais les lui apporter. Apparemment, ça a l'air de bien te plaire de venir ici, non? Je suis venu offrir un bouquet de fleurs à Christina. Ah, alors c'est vrai, tu t'intéresses à elle sérieusement. Cela ne regarde que moi. Mais contrairement à d'autres, ta sœur est quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Il ne me reste plus qu'à trouver ton certificat de baptême. Et ensuite, j'aurai tous les papiers que tu dois apporter à l'église. Merci, ma reine. Tu pourras y aller demain. Je t'adore. Sur cette photo, tu es magnifique. Tu dis ça pour que je te cherche tes papiers super vite, avoue-le. Celle qui est la plus photogénique, c'est Ruby. Non, mais tu as vu comme elle est belle. En plus, elle a beaucoup de charme. Bien sûr, mais celle que j'aime, c'est Maribel. Bien sûr. Tu as su le lui prouver. Elle est heureuse avec toi. Elle m'a dit que Ruby travaille pour toi. Oui. La version d'Alexandre et bien sûr son ami la croit et la répète. Non, tu as tort. C'est la version que je crois, Ruby, parce que je te connais. Non, mais tu te prends pour qui? T'as pas à me juger. Tu me la feras pas, je te signale. Même si j'aimerais qu'on s'entende mieux, c'est impossible. Tu n'y mets vraiment pas du tien. Allez, fiche-moi la peine, ne te mêle pas de ma vie. Oh si, je vais m'en mêler. Premièrement, parce que tu vis ici et que c'est moi qui paie tout. Et deuxièmement, parce que je ne veux pas qu'une de tes idioties porte préjudice à la santé de maman. Même si ça te dérange, je vais continuer à t'avoir à l'œil. Alexandre, tant que tu n'auras pas trouvé de travail dans un autre hôpital, on t'aidera si tu as besoin d'argent. Merci beaucoup. Pour le moment, ça va. Mais si je venais à en avoir besoin, je n'hésiterais pas à vous en demander. On espère bien. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on a toujours réussi à s'en sortir. Demain, je commencerai à chercher dans quel hôpital ils ont besoin d'un bon orthopédiste. Si tu veux, tu pourras imprimer ton curriculum vitae au centre des affaires. Heureusement que tu as ton ordinateur. C'est exactement ce que je me suis dit. Je pourrais donner mon CV à certains grands médecins qui sont au congrès. Ah, ça me plaît de t'entendre parler comme ça. Tu as tellement de possibilités qu'il faut que tu arrêtes de croire que c'est la fin du monde parce que tu as perdu ton emploi. C'est vrai, je le sais. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas facile. Après mon séjour à New York, je venais à peine de commencer ma carrière à Mexico.
Et voilà que je dois encore réorganiser ma vie. Et ce, à tous les niveaux. Donne-toi le temps. Les blessures se cicatrisent toutes seules. N'est-ce pas, docteur? Ne fais pas d'efforts pour oublier cette jeune fille. Ça ne t'aidera pas. Un jour, tu l'oublieras. L'oubli arrive vite, sans crier gare. Donne un coup de main. T'en vas pas. Oh, si tu savais combien je préférais rester ici avec toi, Audrey. Mais il faut que je me dépêche, Lilia. Encore 5 minutes. Non, non, je vais rater mon avion. Oh. Ce qui est bien, c'est que tu ne seras pas seul. Tu seras avec Luis. Je vais profiter de cette occasion pour rester quelque temps avec lui. Oh. Gennaro. Hmm? Quand tu seras de retour, je veux qu'on discute avec Luis. Je sais que c'est un sujet difficile à aborder. C'est précisément pour ça qu'il ne faut plus repousser davantage cette discussion. Lilia, je t'ai déjà dit que tu te faisais du mauvais sang pour rien. Je ne voudrais pas qu'il le sache par une indiscrétion et qu'il nous réclame des comptes. Mais pour l'amour du ciel, Lilia, pourquoi veux-tu compliquer la situation? Gennaro, Luis est suffisamment adulte pour comprendre ce genre de choses. Je t'en prie, mon amour, il faut que nous lui parlions. Il faut lui dire la vérité. Sophia m'a dit que tu étais là, mais je n'avais pas encore réussi à te voir. Oui, elle m'a dit aussi que tu étais là. Je suppose qu'elle a dû te dire qu'hier, elle et moi, on s'est un peu accrochés. Je lui ai assuré que Ruby n'était qu'une amie. Et je veux que toi aussi, tu le saches. Ne t'inquiète pas. Il faut que tu m'aides à la convaincre, parce que je craque pour ta sœur. Sophia m'a dit la même chose à ton sujet. Luis, tu es au courant que j'ai rompu avec Ruby? C'est dommage que ça n'ait pas collé entre vous, parce que vous alliez bien ensemble. En apparence. On n'était pas fait pour nous entendre. Je crois que de toute façon, ça n'aurait pas duré longtemps. Alexandre, ça ne me regarde peut-être pas, mais il me semble qu'il y avait une sorte de malentendu entre elle et toi. Parce que moi, je peux t'assurer que ce n'est pas une fille intéressée. J'en suis témoin. Il y avait un tas de mecs blancs aux as qui lui couraient après à l'université, et elle n'en avait strictement rien à faire. Ce ne sont pas eux qui décident, Luis, mais leur famille. Je compte sur toi pour que tu embrasses très fort Luis de ma part. Oh. Et tu lui dis aussi qu'il me manque beaucoup. Mais tu vas voir ton fils dans quelques jours, mon amour. Et en plus, il est très content d'être là-bas. Il est ravi que je l'ai impliqué dans un grand projet de construction. C'est sûr. Il faut dire qu'il en avait tellement rêvé. Ah oui? Il se lamentait que tu ne lui fasses pas confiance. Bon, j'y vais. Je préfère partir en avance qu'être en retard. Attends, mon amour. Quoi? Excuse-moi d'insister lourdement, mais je suis certaine qu'un jour ou l'autre, il faudra lui dire la vérité. Lilia, il n'y a aucune urgence. Tu ne te rends pas compte, qu'est-ce qui va se passer le jour où Luis voudra se marier et fonder une famille? Gennaro, il faut qu'il sache la vérité. Tu en es conscient, j'espère. Écoute, tout ce que je sais, c'est que c'est trop tôt. Je n'ai pas envie de prendre le risque de perdre son affection. Ça ne se produira pas, bien au contraire. Tu vas arrêter avec ça? On est bien comme ça, non? Et je compte sur ton aide pour que ça ne change pas, tu veux? La seule chose que je souhaite, c'est que notre bonheur continue. Je
suis en train d'étudier l'impact sur l'écosystème du projet de construction de mon père. Moi, je serais plutôt d'avis d'y apporter des modifications afin d'intégrer davantage les ressources naturelles de l'environnement. Quand tu parles comme ça, j'ai l'impression d'entendre Hector. Lui aussi donne la préférence à des projets écologiques. Je me suis inspiré de son travail et il m'a prêté des ouvrages pour écrire ma thèse. J'ai super bien accroché avec lui. Et c'est tout lui. S'il peut aider quelqu'un, il le fait volontiers. Qu'est-ce que tu penses de son mariage? Je suis très content pour lui. Il a flashé sur Maribel immédiatement. Avant même de l'avoir rencontrée, il disait qu'elle était la femme de sa vie. Je sais qu'ils se sont connus sur Internet. Et dès qu'il est arrivé à Mexico et qu'ils se sont rencontrés en chair et en os, il a tout de suite su qu'il allait l'épouser. C'est ce qui s'est passé. J'espère qu'il en est toujours convaincu. Hector, mon amour. Maribel. Oh, j'avais tant envie de t'embrasser, de te serrer dans mes bras, de te sentir contre moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, j'ai hâte que nous vivions ensemble. Oh, mon amour, qu'est-ce que tu es affectueux, moi aussi. J'ai très envie de vivre avec toi. Et plus encore quand t'es aussi gentil. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, Maribel. C'est pour ça que je veux que tu sois ma femme. Tout me plaît chez toi. Ta gentillesse, ta douceur, ta vision de la vie, ta façon d'être, ta générosité de cœur, ton amour des autres. Hector, j'ignorais que j'avais tant de qualités que ça. Et si pour toi, elle pèse plus dans la